J'ai la chance de participer en tant que représentante du Conseil national de l'Ordre des kinésithérapeutes au comité de lutte contre les violences intrafamiliales qui est présidé par le docteur Marie-Pierre Glaviano. Dans ce cadre, on essaye de trouver des organisations, des moyens, des solutions pour sensibiliser les professionnels de santé et surtout les kinésithérapeutes à ces missions de dépistage et de prévention. Je voudrais insister sur le rôle des kinésithérapeutes au sein de leur cabinet, au sein des structures de centres de rééducation hospitalières, pour que les kinésithérapeutes ne soient pas mal à l'aise et sachent quelle conduite ils doivent tenir lorsqu'ils ont un état avéré peut-être, mais aussi des suspicions sur ces maltraitances qui peuvent être à l'encontre des enfants, à l'encontre des femmes et plus rarement à l'encontre des hommes. 5 fiches ont été créées par le CNIP et vont être mises à votre disposition sur le site du Conseil national de l'Ordre. Je vous encourage vivement à aller les voir parce qu'elles sont extrêmement pragmatiques et bien faites. Elles nous aident à aiguiller notre sens clinique ou nos suspicions et elles nous donnent surtout la conduite à tenir pour préserver, pour protéger les enfants, les femmes et les hommes dans des situations de violence conjugale. Je pense qu'on doit être acteur dans ces missions de service public plus qu'on ne l'a été ces dernières années.